Par le Musée des Beaux-Arts du Canada. BGL signifie? BGL, c'est un collectif d'artistes composé de trois artistes de Québec, Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Très bien. Pourquoi cette installation? Pourquoi cette installation? Eh bien, quand les artistes ont visité pour la première fois le pavillon canadien il y a à peu près un an et demi, ils ont trouvé que le pavillon du Canada était petit. Donc, ils ont décidé de construire un agrandissement. Et c'est la première référence d'ailleurs au titre Canadassimo, c'est-à-dire de donner une dimension plus importante au pavillon. BGL, ce sont des artistes qui travaillent avec l'environnement immédiat, avec des situations particulières, avec l'espace, avec des matériaux et des objets qui se trouvent autour d'eux. Donc, ils ont décidé de travailler à partir de la situation géographique du pavillon aussi, à l'intérieur des... Il y a un rapport très intéressant entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'on voit que des pièces de monnaie dégringolent dans l'espace fenestré du pavillon. C'est un dernier étage. En créant un espace... Les monnaies qui tombent. Oui, et quand on arrive sur la surface, extérieure, on découvre que le public peut participer à l'installation en mettant des pièces de monnaie qui se trouvent avec les euros. Oui, exactement, avec les euros, l'argent canadien, toutes sortes de monnaies sont possibles d'utiliser. Donc, un jeu, de l'entropie, de la confusion, mais il y a un ordre. Oui, il y a un ordre. On dirait un espace chaotique, ouais. Mais en fait, c'est un espace relativement bien organisé et surtout très réfléchi. Parce que BGL, BGL utilise souvent l'humour BGL. Pour nous amener à remettre en question les comportements excessifs de la société de consommation. Et c'est aussi ça la dimension superlative de Canada. Alors, Simon, solidarité totale. C'est cette dimension excessive.